Yo les gens, salut à tous, c'est Shadow. Freaks! Alors aujourd'hui, je suis pas dans mon bureau personnel, je suis dans un hôtel parce que j'en rends visite à ma chère grand-mère, vous savez, respect. Je respecte quand même ma grand-mère parce que c'est une tout jeu quoi. Bon, aujourd'hui, on se retrouve alors pour un jeu. Alors, pour. Pas pour un petit let's play, enfin si, je compte faire un let's play. Un let's play, si vous voulez, c'est. Je compte faire un let's play Yo-Kai Watch 2. Et même si j'arrive à faire la manip du live, je pourrais peut-être même lancer si j'arrive à comprendre la manip pour faire un live tout court, j'essaierai peut-être de vous faire des lives concernant premièrement des épisodes des combats Yo-Kai. Des moments où on fait du Yo-Kai Watch Blaster pour ceux qui ont le jeu. Et peut-être même des échanges ou combats, je ne me rappelle plus si j'ai dit l'un ou l'autre. Des échanges en tout cas ou des combats. Ce sera vous qui vous voulez, si vous laissez. Alors je sais que je suis pas très connu et que les pouces bleus rouges, les commentaires, tout ça, ça va pas. Ça vient pas trop. Du coup, si vous voulez ça. Et si vous laisse 20 likes pour si vous êtes d'accord. 20 likes si vous êtes d'accord. 20 dislikes si vous n'êtes pas d'accord. Et si vous rajoutez 5 likes en plus, je vous fais des épisodes let's play et tuto. Donc surtout là, on va parler nous allons discuter, vous voyez. Alors, je vais m'entraîner avec vous parce que je vais pas tarder, comme vous voyez, à affronter Lady Demona, Lady Perpetua, Laure et Marge avec l'équipe de Nathaniel. Enfin, si vous avez déjà fini du jeu. Attendez, je vais prendre mon stylet. Désolé si vous voyez mon doigt. Non, c'est bon, on le voit pas. Ah merde, vous voyez pas. Vous voyez pas les écritures. Donc, en gros, il y a écrit Cyrustre veut se battre. Alors, désolé si vous voyez le truc. Alors, aujourd'hui, on va parler sur... Alors, qui connaît Kirbando? Dans les commentaires, levez la main. Mettez une main levée. Alors, si je vous parle de Kirbando, c'est tout simplement parce que... Il a fait une vidéo récemment sur comment avoir Jibakoma. Jibakoma, alors bien sûr, ça c'est facile, tout le monde pourra l'avoir. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est pas cette vidéo-là, c'est surtout l'autre vidéo d'avant. C'est comment avoir Sailor Nyan. Et commencer. Attendez. Merde! Oh merde! Et comment? Et Sailor Nyan. Et non, Sailor Nyan et Robonian R. Alors, et voilà. Et du coup, il disait qu'on pouvait les avoir que sur la version Yo-Kai Watch 2 quand tu l'achètes sur l'eShop. Alors, il avait dit aussi dans la vidéo de Jibakoma au tout début qu'il y en a qui n'étaient pas contents. Moi, je suis de ceux-là. D'ailleurs, si vous allez sur des lives de Kimando, vous aussi, pouvez-vous lui dire de me déban, s'il vous plaît, parce que j'arrive pas à envoyer de messages et tout ça. Et comment dire, après, alors il disait que, alors voilà, comme je dis, Sailor Nyan et Robonian R sont disponibles que sur la même version, que sur une seule version, mais quand tu l'achètes sur l'eShop. Et il avait dit quoi aussi, que ça avait énervé des gens. Ah bah cool, j'ai battu. Qu'est-ce qu'il a dit aussi, que c'est comme ça, que Yo-Kai Watch 2 avait une deuxième version, avait une autre version qui sortira dans longtemps. Et qu'est-ce qu'il avait dit aussi? Il avait dit que c'était dommage et tout ça, que c'est un... Alors, pour ceux qui ont l'idée, pour ceux qui sont d'accord, mettez à peu près 15 likes si vous voulez qu'on puisse avoir Robonian R et Sailor Nyan en QR code, par mot de passe, encore par event. Genre, voyez, si vous faites une liaison, si vous jouez à Yo-Kai Watch 2, vous pouvez faire une liaison avec l'autre version du jeu, selon le jeu que vous avez, c'est-à-dire Esprit Farceur. Vous pouvez faire une liaison avec Phantom Buffy ou Phantom Buffy avec Esprit Farceur, vice versa. Du coup, voilà, et du coup, ça débloque un stage secret. Et est-ce qu'on pourrait pas rajouter, après, avec ça, si tu réussis le stage secret, un deuxième niveau secret? Ou cette fois,
Si tu réussis cette fois, tu peux avoir Sailornian sur selon la version que tu as et Robonian. Ou alors par QR code. Ou code ou mot de passe. En tout cas, dites-moi si vous voulez, parce que Robonian Air, il a l'air plutôt balèze. Et comment ça s'appelle, Sailornian aussi. Alors après, si, juste après cette vidéo, si j'arrive à terminer, je ferai un petit tuto. Alors tuto, si vous me demandez quoi, vous verrez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me doutais pour le réseau d'ici. Je m'étais dit, ouais, je vais tourner une vidéo. Et puis après, si le réseau marche mal, eh ben, je le posterai le mercredi qui vient. Oui, parce que... Oui, je... J'ai rien à dire. Voilà. Alors... Je sais pas ce qu'ils ont les youtubeurs qui font des SP sur Ukawatch. Mais par contre... Quand ils font la voix de... comment s'appelle Ajibanyan? Tu sais, ils font... Nya, je croyais que tu n'avais pas fait ça. Alors que normalement, moi, j'essaye de faire avec la vraie voix. Genre, tu sais... Whisper, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ou un truc... Tu sais, ce genre de voix. Ça, c'est le genre de truc qui m'interpelle. Après, ils font comme ils veulent. Mais moi, je préfère le faire avec leur voix. Tout à fait. Normal. Bon, allez. Est-ce que... Attendez. Est-ce que vous voyez... Alors là, pour l'instant, vous voyez les dialogues, c'est déjà bien. Alors... D'où vient le nuage perpétuel? Alors, regardez, alors niveau 30... Alors, dites-moi s'il a... Bien sûr, j'aurais XP un peu plus à la fin du truc, mais... À la fin de la vidéo, mais... Est-ce que, pour l'instant, vous me dites que je peux la battre? La sorcière! Come on, let's go everybody, come share the good times. Come on, let's go everybody, come share the good news. Fou kappa. Par contre, là, ils sont pas... Par contre, pour les surnoms sur les yokai classiques en version possédée, ils sont pas foulés sur les noms. Fou kappa, métaréologue, fata... Quoi? Ah, Fata Lutin. Non, mais l'autre, il m'a attaqué, je sais pas pourquoi. Allez, à multimiser. Alors, petite anecdote aussi. Depuis que j'ai commencé le jeu et depuis que j'ai eu la Yokai Watch Model 0... J'ai dû faire à peu près 5 Almultim au maximum, quoi. Ça veut dire j'utilisais pas la Yokai Watch Model 0. Oui, j'ai croché en ami. Qu'est-ce que tu vas faire, bâtard? Ça tape One Piece. Oh, franchement, One Piece, il tape. Aussi, récemment, j'ai acheté le jeu Mario Sport Superstar. Alors, j'ai commencé le truc. J'ai gagné le tournoi débutant du tennis avec Harmony. J'ai fait aussi celui du football, mais je l'ai pas terminé vu que je l'ai arrêté. Parce qu'il fallait que j'aille manger. Et je voulais surtout pas la laisser allumer. Ouais, je sais. Alors, peut-être même pas un tuto, mais deux tutos, peut-être. Je vais faire. Excusez-moi si j'ai pas parlé. Si vous voulez, quand j'aurai fait ces deux tutos-là, proposez-moi des tutos à faire. Mais en tout cas, cette vidéo, j'ai commencé à parler de tout et n'importe quoi. Alors que déjà, de base, c'était le débat pour avoir Oronian, Robonian Air et Sailornian. Déjà, c'était un débat sur ces deux yokai-là et j'ai commencé à partir en n'importe quoi, là. Mais en tout cas, sur l'idée d'avoir Robonian Air
Et c'est leur Nian en QR code ou par event ou par mot de passe. Dites, mettez des pouces bleus si vous voulez vraiment, allez le partager cette vidéo, même si c'est du grand n'importe quoi ce que j'ai parlé jusqu'à maintenant. Mettez, alors partagez, mettez des vidéos, mettez des likes, je sais pas, mais abonnez-vous. En tout cas, si vous voulez vraiment, comme j'ai dit aussi, c'était pour ça, et aussi pour savoir si vous voulez que je fasse des lives. D'abord, faut que j'apprenne la manip, après, je pourrais faire des lives. Mais si vous voulez vraiment, mettez beaucoup de pouces bleus. On va pas faire un mode The Kiri, genre, je vous laisse jusqu'à, attends, 50 pouces bleus en moins de 24 heures. Vu mes abonnés, c'est pas, enfin, je critique pas mes abonnés, mais vu les commentaires et le truc de like, moi, c'est pas prêt d'arriver. Et confiant, quelle confiance. Ah ouais, lui, j'ai trop hâte de le mettre dans mon équipe. Je vous spoil mon tuto. Je vais faire un tuto sur comment avoir les yokai perfides. Désolé si mon doigt vous gêne, mais fais chier. Parce que non, mais je fais la multime de Jibun. Oh, il m'a tué. Putain, on peut pas le faire avec les boutons A et B là. Non, en fait, c'est vrai, ce que je vous dis, c'est le c'est plutôt un débat sur comment avoir ces Lornians. Parce que vous savez que, quand même, ceux qui en profitent le plus de ces Lornians et de Ronian, et de Robonian Robonian R, c'est ceux qui l'ont acheté sur l'eShop. Et moi, vu que j'ai installé Super Mario et que je confonds trop de codes et tout ça, du coup, je suis obligé d'en inventer parce que j'ai une mauvaise mémoire. Ça fait que après, maintenant, mon compte de l'eShop, il est parti en cacahuète. Et du coup, si vous pouvez partager cette vidéo sur un professionnel et qu'il le dit, il essaye de le faire sur l'eShop ou non, oubliez. Cette vidéo, vous savez quoi? C'est une croix. Vous savez quoi, les gens? Je vais continuer ce débat pendant 3 minutes et après je vais arrêter. Non, pendant 2 minutes encore et puis c'est bon. T'as des voix sur vous, okay, je m'en fais. N'empêche, quand même, j'ai regardé des vidéos, putain. Lady Demona, elle a l'air d'être chiante. Surtout qu'après, il n'y a pas de technique, quoi. Jure, en fait, c'est... Faut juste... Les seuls trucs qui seraient à peu près utiles, c'est de briser les deux dragons. Et après, les âmes ultimes qu'elle te prend. Mais sinon, après, c'est chiant. Vol d'attaque, vol d'âme ultime, vol de talent. Elle te fait des envoûtements, elle t'attaque avec tes propres âmes ultimes. C'est chiant. Bon, en tout cas, et aussi, attendez. Ah, je voulais parler d'autre chose. Oui, il se peut que dans certains tutos ou de vidéos sur Yokai Watch 2, je fais des demandes sur certains yokai. Comme là, je m'étais dit, comme je savais pas où était Sabrine, entre guillemets, l'amoureuse de Sabrille. Comme je sais pas, ne savais pas où elle est, je me suis dit, je vais le dire aux gens qui regardent cette vidéo. D'ailleurs, je remercie pour vous, même si vous ne me le donnez pas. Et il se trouve qu'en affrontant, en faisant un batois contre Apak, l'évolution de, comment ça s'appelle, Kappa Kapp, et ben, je l'ai rencontré, et puis du coup, elle est au monde Sylvestre. Mais celle que je recherche le plus, c'est quoi? C'est Mademoiselle Coucou. Si vous vous demandez qui c'est une fille yokai à genoux avec un très long cou, comme une girafe, quoi. Bon, en tout cas, le débat, je vais... En tout cas,
Je vous demande ça, alors je le demanderai ça qu'à la fin parce que je vais m'arrêter maintenant. En tout cas, ce débat sera que pour Orion, Oronian, Celernian, et aussi pour savoir si vous voulez que je fasse des lives sur Yo-Kai Watch 2. Si vous voulez, alors tout ça sera en début de vidéo, désolé si je ne l'ai pas répété plusieurs fois, mais si vous remettez au début, la vidéo au tout début, ce sera tout ça dans les explications. Sur ce, moi je vous dis ciao et souhaitez-moi bonne chance pour Lady Demona. Allez, bye!